Eh bien, salut les amis, c'est Benjamin et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle map Minecraft comme vous pouvez le voir. Eh bien, c'est un top 10. Eh bien, premier top 10, pour sécher une éponge que l'on récupère en tuant un ancien gardien. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est bien mouillée là où je vais la récupérer. Eh bien, il faut tout simplement la sécher en la mettant dans un four. Et petite astuce supplémentaire, quand on retire le carburant après, eh bien, en mettant un seau, eh ben, le seau se remplit. Et en plus de ça, vous avez votre éponge qui est sèche. Deux coups en une pierre, on va dire. Et voilà, elle est bien sèche. Eh bien, deuxième top 10, je vais faire un bonhomme de neige. Eh bien, sachez que quand on peut, enfin, on peut retirer la citrouille, donc la tête d'un bonhomme de neige, tout simplement, eh bien, il vous faut une ciseaille. Voilà. Eh bien, troisième top 10, quand vous êtes poursuivi par un mob, moi j'ai pris l'exemple du creeper, n'explose pas s'il te plaît, quand vous passez les rails, ils ne peuvent pas, les passer eux. Sachez-le que quand vous traversez un portail du Nether, et qu'il est bloqué des deux côtés, et bien vous êtes coincé dans le Nether et aucun moyen de vous téléporter, à moins d'avoir une pioche en diamant sur vous. Voilà, et vous êtes entièrement bloqué. Sachez-le que quand vous avez un creeper sous la main, par exemple, et bien vous pouvez, si j'arrive à le poser, eh bien, vous pouvez le faire exploser avec vous-même avec un briquet. Voilà. Nous pouvons changer la couleur du collier des chiens avec des colorants, évidemment. Donc toutes les couleurs, je vais toutes vous les montrer. Évidemment, nous avons le bleu, non, le noir, le bleu foncé, le bleu clair, le cyan. Enfin bref, toutes les couleurs, même violet, gris, orange, rouge, évidemment, la couleur basique, marron et orange, jaune et gris foncé. Et bien, donc du coup, sachez-le que pour faire fonctionner un observateur, il suffit de casser le bloc qu'il y a devant et il émettra un système, non, pas un système. Un courant redstone. Donc, en le cassant, vous avez pu. Alors, chose astucieuse aussi à savoir, vous pouvez annuler la gravité des blocs qui ont de la gravité, évidemment, comme le gravier ou le sable, en mettant des fleurs de 2 de haut. Donc, moi, j'ai pris l'exemple des roses. Ou alors, je ne sais même plus le nom des autres fleurs. Eh bien, en mettant le bloc de sable au-dessus, et attention, ça va faire un petit bug, il ne faut pas casser le haut, mais il faudra casser la racine et le bloc aura perdu sa gravité. Et le bloc de sable des âmes nous ralentit, par exemple dans le Nether,
Et en plus de ça, s'il y a des blocs de glace en dessous, cela nous ralentira encore plus. Donc voilà l'exemple. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis beaucoup plus ralenti que l'autre coup. C'est une astuce compliquée et si vous voulez troller vos copains. Faire de l'obsidien, ce n'est pas toujours facile, mais je pense que tout le monde le sait, et en même temps j'en profite pour faire d'autres choses. Donc du coup, pour faire de l'obsidien, évidemment, je vais vous montrer déjà, il faut mettre de l'eau sur la lave et non pas de la lave sur de l'eau. Je vais vous montrer, on n'a pas pensé à faire ça. On va faire, voilà. Et donc du coup, quand on positionne de la lave sur l'eau, c'est aussi une astuce, ça vous fait de la stone. Donc pratique si vous voulez économiser de la stone, vous pouvez en faire autant que vous voulez, il suffit juste après d'aller la récupérer. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a de la stone, de la pierre si vous préférez. Donc voilà. Et quand on met un seau d'eau sur de la lave, en revanche, cela fait de l'obsidien. On va juste couper la source. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il est possible que vous connaissiez des choses sur ce tuto de top 10. Moi, je repars dans mon bateau. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Et je vous dis salut les amis et n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes super. Salut les amis.